Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Belle bataille. Ah, ils ont des légionnaires, déjà. Ouais. Ils ont un paquet, hein. Déjà des légionnaires. Et c'est leur armée de garnison. Donc tour prochain, je récupère Karalys, normalement, facilement, assez gratuitement. Normalement, oui. Attends, mais... Comment ça, c'est... J'ai fait de la merde, Vae. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai cru que c'était une bataille défensive. Mais pas du tout, c'est une bataille offensive. T'as attaqué? Bah ouais. Bah, remarque, tu me diras, avant de quitter la bataille, tu peux détruire leur tour. C'est déjà assez. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Putain. Tu peux les harceler un petit peu avec tes catapultes. Qu'est-ce que je suis couillon. Bon, par contre, ma reine, elle reste derrière. Oh, le spectacle. Oh là là, con de moi, quoi. Maman. Après, en vrai... Regarde, ils sont tellement sympas qu'ils se sont déployés sur la plage pour que tu puisses... Oh, j'avoue. Putain, c'est quoi ça? Ah bah attends, il y a un monde dans lequel je gagne, hein. Oh, je suis choqué, ils ont déjà des légionnaires. Pourtant, ils se font poutrer. Oh oui. Bon, objectif, ne pas perdre le... Oh merde, je t'ai même pas donné de troupes. Oh, con de moi. Oh, c'est pas grave. Bon, objectif, ouais. Comme ça, je préfère la regarder. Leur faire de la perte. Leur navire de garnison a débarqué, que t'as plus qu'à les bombarder. T'as plus qu'à les bombarder et à profiter. Ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Ouais, mais il regarde. Il faudrait qu'ils tirent un peu mieux. je crois que les tirs non enflammés sont plus précis. Ils sont plus précis, mais ils font moins mal. C'est vrai. Au final, moi je trouve que c'est kiff kiff. Hein. Pas fou. Je vais voir si eux, parce qu'ils ont une sacrée défense quand même. Hein. C'est tour à flèche. Ah non, ça va, c'est pas des tours à baliste. Attends. Ils ont fait... Quoi? Non, ils ont pas fui quand même. On va se rapprocher un peu. C'est où? Dégroupé. Vous les gars, vous allez vous mettre là. Vous les gars, juste derrière. Voilà. Et vous, ici. Je sais pas ce qu'ils font là, les Romains. Ils font une sorte de tortue buggée, ils bougent dans tous les sens. Ah, je pense qu'en fait, ils sont en mode bronzette. Et ils mettent les boucliers, c'est pour faire un peu de réflexion de lumière. Ah, il y a eu un rebond là. Ça rebondit sur la plage. Ouais, le sable. Ah, je regarde bien ici là, ils sont bien groupés. Oh, le boulet là dans la petite formation buggée, ça fait mal. Ouais. Quand il y en a un qui touche là, par contre. Ça... Waouh! Oh, il y en a eu trois d'affilée là! Oh la vache! La brochette! Ah là, ça picote. C'est quoi? C'est du légionnaire en plus. Signe de faiblesse. Tu m'étonnes, les mecs. Ils ont pris un coup de soleil là. Ils sont entraînés 3 ans au combat pour au final se faire harceler par une flotte navale. On nous a. Engagez-vous, qui disait! Engagez-vous! Ils nous ont pas formés pour ça. C'est clair que là. Comment qu'on est censé se défendre contre ça? Hop, on va envoyer un peu du renfort. Et... Ah là, t'as un autre paquet là, ici, sur la plage. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'essaie de les envoyer petit à petit, de les rapprocher. Et ce qui me fait peur, c'est leur tour à flèche. Ça. Ouais, je comprends. Tu vois là, par exemple. Ici, il se planque derrière le caillou et c'est pas bon ça. Ah, oh, il y a le général en plus. Ah non, c'est général. La populace. Ah, la populace. Ouais. Bah, la plèbe, ils sont venus bronzer aussi, je crois. T'as vu les baleines? Est-ce que tu les vois, les baleines sur la côte qui font tout le tour? Ah ouais. Putain. Les baleines, pareil, elles sont venues jouer avec les Romains, je crois. Normalement, c'est pas censé nager aussi près du bord. Pas aussi près du bord, ouais.
Mais je crois qu'il y en avait une époque dans la Méditerranée, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Bah, généralement, quand les baleines sont sur la plage ou près de la plage, c'est qu'elles sont mortes. Ah! Ah bah dis donc, ils ont fait une razzia, ils sont allés chercher de l'huile là, les Romains. Pour qu'il y en ait autant. Oh la vache. Dommage que t'aies pas une munition limitée. Ah bah là, ce serait gagné tranquille. Hein. Ouais, c'est vrai que là, sur le bord de plage, ça... C'est... Bonjour, je suis une IA, j'ai 6 ans d'âge mental. Au lieu de camper dans la ville pour pas qu'ils puissent me tirer dessus, je mets les troupes sur la plage, comme ça ils peuvent me tirer dessus. Exactement. Je sais pas Il est si... fair play. T'as son deuxième général en plus ici. Hein. Bon après c'est les Romains donc ils perdent pas de morale quand leur général y meurt. Mais... Fair play. Fair play l'IA. Elle met de bien. Elle met bien et elle met de bien. Hop. On va décaler encore un peu. Cette fois on va me mettre comme ça. C'est quoi ça? Des vélites. Ok. En vrai, c'est que je suis même pas sûr d'avoir assez de munitions malgré tout. Ouais, ça m'étonnait. Ouais, j'arrive à court de munitions déjà sur certains navires. Oh la vache, la perte qu'ils ont eue. Après, c'est clair que niveau perte, là, ça se met bien. Alors, mon amiral. Et les navires, vous essayez de faire quoi là? De la reproduction ou... Non, parce que c'est chelou là. Ah, il y a 2-3 unités qui se sont barrées, mine de rien. Quand même décimé quelques légionnaires en effet. C'est clair que là. Ah, Sauvegarde ça du y coup. est, il y en a qui rentrent dans le mur. Ils ont compris que c'était pas le bon endroit là. Ah bah il était temps. Il était temps de le comprendre. Monsieur, monsieur, ça fait 20 minutes qu'on est sous le feu, là, un peu. Monsieur le commandant, est-ce qu'on pourrait rentrer chez nous? Tellement. Alors je crois, mon général, que c'était pas la bonne idée de les attendre sur la plage. Comment Peut-être qu'on ça? aurait dû être bien au chaud derrière les murs. Êtes un légionnaire, vous n'êtes pas là pour réfléchir. Oui, monsieur. Et puis là, on va les attirer en plus. Je vais les attirer en faisant débarquer une unité. Malin. On Ah, va ça a voir. ricoché sur le bâtiment. On va voir comment. Ouais, ça arrive Tiens. parfois. Je sais pas si on s'est explosé sur le bâtiment normalement. Ça. Bah, c'est pas des rafales explosives, ça reste des rafales enflammées. Oula, oula. Et les gars, doucement par contre, vous allez rester là. Tiens là. Voilà, tu vois, ça les attire. Ça les attire comme des mouches. Bon, après, eux, ils vont crever quand même, mais ma baliste, elle va crever. Mais ça les attire comme des mouches. Ah, belle strat. Si tu traces ici de munitions, tu peux les éliminer. Bah, c'est ce que j'essaie de me dire, mais... Ouais, mais ils ont pas tenu très longtemps. Non. Ah, mais reviens. Ah, ils vont fuir là. Eh! Attends, mais tu vas gagner en fait. Ah, la petite strat qui gagne. Non, mais Oh c'est là là. n'importe quoi. C'est. Putain, mal. Pour 27 pertes, je prends Caralys. Non, mais c'est abusé. Non, mais franchement, si l'IA serait un peu plus intelligente, ce genre de bataille, dans aucun monde tu la gagnes. C'est clair. En fait, faudrait le faire à l'usure, genre faire une bataille, partir, refaire le plein de munitions, revenir, etc. Mais là, pas en une fois, quoi. Putain. Comme quoi, ça démontre bien ce que je dis à chaque fois. L'IA dans les Total War, c'est un gamin de 6 ans. Ouais. Tu joues contre un gosse de 6 ans, quoi. Ok, là, oui. Surtout dans ce... Surtout dans cette bataille. C'est terrible. Ah ouais, de fou. Ah bah moi j'ai bien rigolé, hein, perso. En fait, t'avais même pas besoin de ton armée en route là. Juste la flotte suffisait. Ouais, bah c'est pour aller prendre la Corse, quoi. Tiens, l'IA, je me dis, oh, on va peut-être le faire à pied quand même, c'est les beaux paysages corses. Mais tu sais, moi je pensais pas que t'aurais assez de munitions pour tous les faire fuir en fait. Hein. Honnêtement, pareil. Très clairement. Mais je sais pas comment ils ont de munitions par navire. En fait, je crois qu'ils ont le même nombre de munitions que les unités de balistes terrestres. Mais comme les unités de balistes terrestres sont 4, ils les épuisent vachement facilement.
Là où... Oh, propre. Là où les unités... Comme des rats. Ah bah là ça a picoté. Ton éléphant il souffre un ouais, peu par bah, contre. Chaque bataille malheureusement il prend des pertes. Mmh. En tout cas la Sardaigne c'est sympa comme, comme pays. C'est montagneux. Il fait chaud, il fait beau. C'est ça. Il y a la mer, il y a la montagne. Bah, c'est un peu la Corse finalement. Ouais ça reste ça reste à peu près je pense pareil comme les, au niveau des reliefs. Enfin du biome, comment ça s'appelle? Ouais, c'est un peu le même biome que la Corse, quoi. Ouais. En un peu plus sec, je dirais, comme c'est un peu plus au sud, peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je connais ni l'un ni l'autre. Enfin, j'y suis jamais allé, non, ni l'un ni l'autre, donc... Pareillement. On est deux. Ouais, je dirais que peut-être que le sud de la Sardaigne est peut-être un peu plus sec. On ressemble peut-être plus à la Sicile, ou l'image que je me fais de la Sicile. Déjà qu'on peut recruter la caserne de niveau 4. Oh, t'es une caserne niveau 4 toi? Ah oui, non, je n'en suis pas encore. Non, j'ai plus souvenir que c'était si loin, c'est à la fin. Ah, c'est ce que je me disais, parce que là, c'est. La recherche, elle est loin. Hein. J'aurais bien aimé. Tu m'étonnes, t'as vu les unités que tu peux avoir, c'est génial. Et ce sera pour bientôt, pour bientôt. Et là, je suis à 9000 de revenus par tour, là. Ah, pas mal, hein. T'es à combien? Un tout petit peu moins de 16 000. Ah ouais, donc t'as doublé ton revenu tout à l'heure. Bah, ouais, bah... Après, tu me diras, avec tout ce que tu conquiers tout à l'heure, ça ne t'étonne pas. En vrai, c'est surtout Egra qui était à la main des séparatistes, dans lequel j'ai un édit commercial, stimulation. Et ah ouais. C'est ma deuxième province la plus riche avec l'Égypte qui me rapporte 7000 mine de rien quoi. Genre Égypte et Nabatée, ça me rapporte les deux plus de 14 000. Mon armée est là. Et vu que mes troupes sont apparemment pas chères, ça c'est un délire, je comprends pas pourquoi elles peuvent être si peu chères. Les troupes égyptiennes, c'est pas non plus la crème de la crème. À part celle que t'as à la fin, d'élite. Alors, entretien des unités, j'en ai pour 17 000 par tour. Et entretien des flottes, 6 400. Ok. Ouais. Oh putain, pardon. Total dépense, 47 709. Ouh. Sur le dernier tour. Total revenu, ah, 46 200. Il y a une armée parte. Putain. Sort d'où celle-là? Les enfants de Parny. Qui sort. Entre Nissa et Merve. Ah, ça m'arrange pas. Ah, je peux déplacer un truc pour t'aider peut-être? C'est un peu loin. Ah ouais. Loin de toi. Tu préfères en que fait, je te garde le sud et que t'ailles au nord tranquille ou... Attends. Il y a moyen que l'armée qui était à Prada soit montée en marche forcée depuis deux tours au nord à Merve. Ah. En vrai, il y a moyen de prendre Prada, tu vois, et Rakosia. Je vais essayer de temporiser au nord. Parce que c'est sûr que Merve, je pourrais pas la garder, cette ville, malheureusement. Là, ils ont trop de troupes. Il y a Arya qui vient les aider. Bah écoute, je vais mettre là, je sais pas si tu vois, et je vais mettre un... Je vais mettre en fortification, je vais leur bloquer le passage. Comme ouais, ça, toi, tu... Au prochain tour, je vais commencer à avancer chez eux. Ouais. Tu vas pouvoir avancer tranquillement. Atropatène partie... Si ah oui, d'accord. Tiens, Suzia... Même si je perds les autres villes, c'est pas grave, je les récupérerai. Par la jonction des troupes, en fait. J'écoute. Pour le moment,
En soi, ils ont des unités de merde. Hein. Ouais, ça reste des unités basiques. Hein. Les parts ont des bonnes unités, mais d'élite. Hein. Je pense pas qu'ils aient le luxe d'avoir ça. Peut-être pas encore. Oh, oh la vache! Bah attends, mais Athènes et Sparte, ils veulent m'aider là? Attends. Ah, ça peut se comprendre, hein. Historiquement, les Romains, ils ont des juges sur les territoires grecs, donc. Ah mais ça passe pas. Ça passe pas. Ah, ils ont perdu Vélatrie, les Romains. C'est la décadence. Hein? Ouais. Ah, regarde. Ils ont perdu Vélatrie. Puis Rome s'est fait. Bah, s'est fait souiller, là, j'ai l'impression. C'est le cas de le dire. Ah, en plus, il meurt de faim. Ah, ouais, bah alors là, c'est fini tout. Ici, ça va être stimulation agraire. C'est quoi déjà la techno? C'est ça. Ah! Ah, j'ai oublié que j'avais démoli plein de bâtiments en Afrique. On va devoir refaire du commercial. Donc, c'est ça. Un, ça. Et un de ça. Et ce qu'il me faudrait de l'ordre public. Je vais faire de l'ordre public. Et ça. Ça part. Non, ça part pas là-dessus. Ça part là-dessus. Et j'ai un problème d'ordre public d'ailleurs en parlant de ça. J'ai un gros problème d'ordre public. Merde, attends, je peux envoyer personne. Ah oh, purée. Ah c'est couillon, tous mes personnages sont pris en armée, du coup je peux pas les envoyer. Ah bah c'est ballot ça. On va organiser des jeux avec elle, hein, elle sera contente, hein. On aura bien Félix. Et est-ce que en vrai je recruterai pas une petite famille parte? Ouais, on va faire ça. Coucou toi. Regardez, ouais, je vous envoie des machins chez. Ouais. Et faut que je l'incite. Je sais plus où est-ce que c'est incité. Elle me dit pas qu'il faut qu'il soit disponible. Ah, j'ai bien l'impression que si. Zenozad exerce actuellement le commandement. Oh. Ouais, je vais envoyer Yola là-bas. Hein. C'est chaud, les Romains, ils ont même pas les sous pour réparer Rome. Hop. Ok, ouais, moins 10 par tour, Tyros, ça c'est bien. Et là, le tour prochain, il faudra pas que j'oublie à prendre ça. Et je crois que pour les terres, on est bon. Toi, tu me sers à rien maintenant, je vais te dissoudre. Si t'as vu, les Arvernes, ils sont en Espagne. Ouais, mais ils se sont fait un peu bouter, ils étaient un peu plus... Ah si, non, bah non, ils sont revenus. Ils s'étaient fait reprendre Carthadacht. Mais ça fait un moment qu'ils traînent dans le coin. Ah, je crois que Carthadacht, c'est l'ancien nom de Nova Carthago, je crois. C'est le... Ouais, l'ancien ou le nouveau, je saurais pas dire, mais c'est un des noms de Nova Carthago, ouais. Alors c'est le nom en VO de Nova Carthago. C'est possible. Ou alors la manière dont il l'appelait, peut-être que Cart c'est... Ah non. Je sais que sur Divide and Impera, Carthage s'appelle pas comme ça, ça s'appelle... c'est le nom original quoi. Le pays, je sais pas comment ça s'appelle. Je saurais pas te dire là, je t'avoue. Ah, non, non, plus. Et si un jour tu testes le mode, tu verras. Les Grecs ont des unités avec des noms grecs, les Germains ont des unités avec des noms germains, antiques. Ce qui est plus logique, les, hein.
les Carthaginois, bah, ça s'appelle pas Carthage, je crois que ça s'appelle Carthadache ou un truc dans le genre. Ouais, ils ont repris. On va dire qu'ils n'ont pas actualisé les noms avec notre langue actuelle, quoi. Oui, voilà. Ils ont pris les noms de la VO. On peut dire ça comme ça. Oui. Ah, j'ai un surplus de population. À Éphèse. Sympa ça. Je vais faire un aqueduc. La queue du queue. Ah, Médiatropatène déclare la guerre à la partie. Ah, intéressant. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit que ça pourrait te plaire. Bon. Là, ils sont chiés là, putain. Ils sont en train de focus le nord. Territoire que j'ai récupéré. Enfin, j'ai envoyé mon espion. Ah ouais, c'est ça en fait. Ils ont déserté la défense de Prada pour se focus sur le nord. Ouais, comme t'avances bien, ils se sont dit qu'ils allaient abandonner le sud. D'ailleurs, ils sont en train de se faire prendre Alexandria Racosia là. Ah oui, Sûrement par les Roxolans. Ou je Bactri. crois. Ok. Si tu vois pas qui c'est déjà pas une de cette de tes satrapies. C'est un des deux. Hein. Ouais. Toute façon, il leur reste bah, une armée hein, au partant. Et c'est que de la cavalerie montée quasiment. Ah, ça c'est chiant en plus, ce genre de troupe. C'est ouf. C'est très fort en début de partie, y a pas photo. Hein. C'est très chiant. Surtout quand t'as des piquiers, c'est relou. C'est chiant parce que à Susia, mon armée, elle peut pas se déplacer en un tour à Nissa ou Merve. Relou. Ah, elle est pas assez rapide? Y a pas assez de points d'action, ouais. Ah là, ça doit être les routes qui sont de mauvaise qualité. Ou sinon, attends, je vais essayer d'attirer l'IA dans un piège. Peut-être moyen se mettre en mode fort, pas trop loin de chez eux là. En espérant que j'ai encore assez de points d'action pour ça. Ah non, je n'en ai pas assez, putain. Tiens, en vrai, ils ont plein d'unités montées. Ah ouais, en force, ce serait mieux quand même. J'ai pas assez de points d'action. Oh, putain, chier. Je voulais mettre en mode fort, qui m'attaque pour me défendre. Ouais, surtout avec des piquets, ça c'est. C'est de donner ça. Ouais, et là j'ai choc. J'ai reculé. Ils vont peut-être m'attaquer. Ce sera l'occasion. Après, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont plein d'unités montées. Après, l'avantage, c'est que leur armée de renfort, la Daria, est quasiment morte. Ils ont plus beaucoup de troupes dans Ouais, ils leurs vont unités. pas avancer des masses, quoi. Oh, je te propose qu'on. Ah, non, peut-être la bataille avant. Il m'attaque. Ouais. Ah, c'était sûr en Si fait. tu recules, t'arriveras peut-être à Susia. Et peut-être que là, il va pas aimer avec les troupes de renfort. Mais je sais pas s'ils vont m'attaquer. Après, avec les unités à distance, est-ce que t'as vraiment envie de la jouer? Ouais, ça va être relou. Quoique j'ai des archers, mais. Ah, quoique j'ai aussi des archers montés, mais j'en ai moins qu'eux. Oublie pas que c'est en pleine. En pleine. Je peux la gagner automatiquement. Ah, sérieux? Ouais. Avec beaucoup de pertes? J'aurai que 65% de force restante. Ah, ça fait pas mal de pertes. Ouais. Après, en la jouant, je sais pas si j'aurai plus de pertes. Ouais, t'en penses quoi? Bon, en vrai,
Je pense que je reculerai pour essayer de temporiser. Dans tous les cas, le temps, il joue contre lui. Tu C'est vois, vrai. là, t'es à côté de ta ville. Il fait le siège de Bon, ta là, il a... ville. C'était que ma ville, bon, c'était sûr et certain, ça. Et je pense qu'il va peut-être pas vouloir avancer sur Suzia. Ouais, là, par contre. En plus, il y a pas mal de troupes d'Aria qui sont à côté, donc je Une pense. armée de renforts qui arrive du Caucase d'ici 3 jours, je pense. Ouais, donc focus-toi sur le sud. Temporisons, temporisons. Ouais, et défends Nisa aussi si tu peux. Qu'est-ce qui se passe? Tilis attaque le pont. Ok, moi je vais l'aider. Faire l'occasion de mettre un pied en trace. T'as fait gaffe à Nisa. T'as de quoi lever? Ah bah non, t'as putain, t'as pas assez de généraux. Ouais, je peux pas. Mais je savais que ces deux villes, je pourrais pas les défendre. Le principal, c'est de défendre Suzia avec la soie. Et ces villes-là, bah, je vais les récupérer. Hein. De toute façon, comme tu dis, le temps joue contre eux. Ah oui, bah là clairement ils ont pas le choix. Je vais prendre Prada au prochain tour. Certes, ils vont peut-être prendre Nisa, mais j'ai une armée en renfort qui arrive bientôt, qui sera dans 2 tours à Zadrakarta. D'ici là, bon, putain, pas cher de leur peau. Ah, en plus les Roxolans ils s'entendent bien avec eux. Ah, par contre, il y a Tivis qui est à Nicomédia, là, à côté. Je vais déplacer mon armée qui est à Sinope. Je vais la mettre à Comédie. C'est bien fait. Comment ils sont? Ah ouais, bah, de toute façon t'as ton amiral qui est pas loin, hein, pire. Ouais. Moi ce que je te propose c'est on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, je commence à avoir faim un petit peu. Un petit peu, et bon, il y a le boulot demain aussi. Ah, puis Surtout. 20h30. Ouais. Mais on Donc. continuera prochaine fois quand tu seras dispo, pas de soucis. Ouais, bah ouais, moi je fais la sauvegarde là. Hop. Je vais clore vite fait, je vais faire mon outro là. En tout cas, Ça j'espère marche. que ça vous aura plu. Merci à toi, Vaï, d'avoir partagé ce moment avec moi. Ah, je t'en prie, c'était un plaisir. Partagé. Et je vous propose de nous retrouver très bientôt pour les prochains épisodes. À la prochaine, c'était Thiob et Vaï. Bye. Ciao!